Il y a mon chat qui fait des bêtises. Je sais pas si on l'entend. Céleste, tu fais quoi? T'as fini de faire tes griffes sur mon bout de bois? T'as fini? T'as fini? Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélissa's Art. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Et c'est avec plein d'émotions que je filme avec mon téléphone devant mon petit sapin de Noël, où le contenu de cette dernière vidéo de l'année répond tout simplement à un sondage où vous avez participé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas encore, je vous invite du coup à le suivre juste là, vous allez voir passer. Et également, me suivre également sur Twitter, histoire de ne pas perdre la main, hein, histoire qu'on fasse toujours une pierre deux coups. Moi, j'aime qu'on ait optimum au niveau des petits clics, clics, clics. Et donc, petit sondage avec pour but de savoir quel sera le contenu de cette dernière vidéo de l'année. Donc la première question était tout simplement, est-ce que je vais vous parler l'un de mes artistes préférés ou tout simplement peut-être faire une création numérique. Vous avez répondu au sondage et qui a donc gagné? C'était donc la création numérique. Ensuite j'en ai fait un autre juste après, est-ce que j'allais faire du digital art avec du coup l'application Adobe Fresco sur mon iPad ou Procreate. Et heureusement pour moi, vous avez choisi l'application que je préfère, Adobe Fresco. Du coup, pour cette création numérique, j'ai utilisé et j'ai continué avec mon étude des oiseaux. Alors, faut savoir, je suis sur le groupe Discord de la chaîne Explique-moi encore, qui est d'ailleurs totalement génial. Et si vous ne la connaissez pas et vous voulez apprendre comment progresser en photo, en vidéo et être avec des gens super avec qui on discute et on s'amuse pas mal, n'hésitez pas à y aller. Et du coup, sur ce petit groupe Discord, l'une des personnes de ce Discord avec qui je discute beaucoup et qui en joue à Among Us, Titou Ambre, qui a publié une photo d'oiseau. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais la publier et bien sûr, toujours mettre en avant ses réseaux sociaux parce que c'est tout à fait normal. Là, surtout que j'ai une source dont je sais réellement d'où l'image vient. C'est pas comme les images de mes autres études où ça vient un petit peu d'Internet. Donc du coup, j'ai fait le faucon de Cresserelle. On va voir tout de suite du coup ce petit speedroid. Alors, la petite particularité de ce speed drawing, c'est que j'avais commencé à faire la capture avec le logiciel de capture sur l'iPad et après j'ai bugué sur la deuxième partie. Donc, du coup, on a juste l'accéléré issu directement de l'application. Tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir que vous soyez là. On a énormément progressé cette année. Pas oublier de le dire, on a atteint enfin les 100 abonnés et on les dépasse. Et j'espère bien sûr un jour atteindre les 200, les 300, les 1000. Ça serait tellement génial. Puis vous êtes là. Et si vous aimez regarder cette vidéo, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est tout simplement vous abonner et commenter la chaîne. Et vous allez encore découvrir plein de choses, que je prévois encore plein de choses sur la chaîne. Toujours dans mes domaines de prédilection. Et puis ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao!